La nostra azienda si chiama La Ciabranda. E io e mio fratello l'abbiamo rilevata. La Ciabranda è il nome di nostra entreprise. Mon frère et moi, on sommes les propriétaires depuis 2004. Perché abbiamo una parte di attività. Il s'agit d'une entreprise polyvalente, puisqu'elle comprend d'une part l'élevage de bovins et la fabrication de fromage, et d'autre part la culture de légumes et de fruits. Puis il y a également le vignoble qui occupe une place importante de notre activité agricole. Notre azienda, con mia sorella, abbiamo un centro aziendale a Pomaretto dove cuore dell'azienda. Poi abbiamo la parte d'alpeggio dove veniamo su da maggio. Le cœur de notre entreprise se trouve à Pomaretto. Puis il y a l'alpage où nous faisons pâturer nos vaches et où nous poissons les mois allant de mai à octobre. En alpage, nous nous occupons du foin, mais aussi des pommes de terre de montagne. Nous avons une soixantaine de bêtes et même plusieurs chèvres grâce auxquelles nous produisons du fromage. Des cochons que nous nourrissons avec des pommes de terre, des restes de pommes ou du petit lait. Il siero, le patate, mele. Tous les produits sont consommés dans le gîte rural à la ferme. Le attività che svolgiamo come agriturismo sono la ristorazione alla pensione. Le gîte rural s'occupe de restauration et d'hébergement, ce qui nous permet de faire connaître nos produits aux consommateurs, aux clients qui viennent nous rendre visite et de leur faire découvrir notre activité. Abbiamo voluto, per scelta nostra, portare avanti la viticoltura. Nous avons choisi de nous investir dans la viticulture et d'exploiter le vignoble de famille que nos parents et nos grands-parents exploitaient déjà par le passé. Sicuramente il lavoro che richiede l'impegno che richiede il vigneto è un impegno importante. Le vignoble exige un travail difficile puisqu'il s'étend complètement sur des terrasses que nous appelons en dialecte barri. Su dei muretti a secco. Il s'agit de terrasses sur des murets à pierre sèche qui sont les mêmes que ceux que l'on trouvait il y a 80 ans et qui demandent un entretien constant. Però non è raggiungibile da dei mezzi. Le gros problème, c'est que tout le travail doit être effectué à la main et à pied. L'inverno quando sono giù con gli animali, allora gli animali sono in stalla, quindi da gennaio fino a maggio. En hiver, les animaux sont à l'étable dans la ferme. De janvier jusqu'à fin mars, il faut cultiver et entretenir la vigne. On s'occupe donc de l'élagage des plants et de tout ce qui concerne l'entretien de la vigne en montagne. Il faut entretenir les murets à sec, amener le fumier, lier les serments. En été, cela demande plus de travail, parce que nous sommes installés à l'alpage et il faut malgré cela redescendre à n'importe quelle heure, de nuit, le soir ou le matin tôt, pour appliquer des traitements à la vigne. Par rapport aux autres vignobles sur lesquels on applique une vingtaine de traitements, nous n'en faisons que 4 ou 5, étant donné que le climat est plus sec. Malheureusement, on est un peu isolé. Mais d'un autre côté, l'environnement est plus sain.
penso che quello che ci spinge a mantenere il vigneto nonostante... Je crois que ce qui nous pousse à continuer l'exploitation du vignoble, ce sont les attaches avec nos traditions, avec ceux qui nous ont précédés et qui ont fait un immense travail pour rendre cultivables des terrains aussi escarpés. Et quindi... Le lien avec le passé est très très fort et nous désirons énormément le faire connaître aux autres. Oui, calo per sera.